vous allez nous présenter un petit bilan des vendanges et surtout en fait on a une conjoncture pour la viticulture qui paraît beaucoup plus favorable que celle qu'on a connue ces dernières années. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette conjoncture vous paraît plus favorable en ce début de campagne cette année? Alors soyons clairs, on vient de terminer les vendanges oui. France entière et on constate deux choses, c'est qu'au plan qualitatif, la climatologie a permis d'avoir une maturité parfaite au niveau des raisins oui. et donc on aura un très bon niveau qualitatif en matière viticole. Mmh. Et ensuite, on a une récolte qui est plutôt faible, avec des stocks qui eux-mêmes sont faibles. Donc, nous pensons qu'effectivement, au plan de la conjoncture, il doit y avoir une position très favorable sur le marché. D'accord. C'est-à-dire favorable, alors, précisément, donc vous attendez une hausse des prix, des vins. Favorable au sens qu'effectivement, nous avons besoin d'un rattrapage au niveau de la propriété oui. et que nous espérons une augmentation à deux chiffres, nous permettant un peu de rattraper la période que nous venons de vivre depuis deux ou trois campagnes où il y a eu en matière de prix des problèmes importants avec des chutes de cours. Nous pensons